Bienvenue dans la deuxième partie de la formation complète en dropshipping que je vous fais sur ma chaîne YouTube de manière totalement gratuite. Dans le premier épisode, on a vu comment trouver un produit gagnant, comment faire de la recherche produit. Et dans cet épisode, je vais vous montrer comment créer une boutique Shopify de A à Z. De la toute première étape jusqu'à la dernière. Comme ça, vous n'avez pas besoin de regarder une formation ou quoi que ce soit. Vous avez tout dans le guide complet dans cette vidéo. Alors là, comme vous pouvez voir, je vous ai fait une checklist directement pour tous les éléments de la boutique qu'il y aura à faire. Donc tout ce que vous avez à faire, c'est d'aller dans le lien dans la description et d'aller voir directement la checklist que je vous ai fait. Donc vous la téléchargez et comme ça, vous pouvez vous en servir directement. Vous cochez la case à chaque fois, vous faites une étape. Comme ça, vous oubliez rien. Dans la description aussi, il y aura un lien pour Shopify. Donc utilisez bien ce lien. Vous avez Shopify pendant 3 mois à 1 euro par mois seulement. Utilisez ce lien, je prends une petite commission dessus. Je suis transparent avec vous. Mais voilà, ça m'aide à faire plus de vidéos comme celle-là. Et vous recevez une super offre aussi. Donc sans perdre plus de temps, on va se retrouver dans mon ordinateur. Et je vais tout vous montrer. Donc la première étape dans la checklist, c'est de créer un compte Shopify et de rentrer ses informations. Donc c'est ce qu'on va faire tout de suite. Donc je me suis mis en mode incognito, comme ça je vais créer le compte en même temps que vous. Donc voilà, on commence, essayez gratuitement. Là vous pouvez ignorer directement, vous pouvez remplir un peu leur formulaire, mais bon, c'est pas super important. Nom de la boutique, encore une fois, ça c'est pas quelque chose d'important, vous pouvez rentrer un peu n'importe quoi. Moi je vais rentrer le nom de la boutique, Woody Echo. Voilà, ça va être le nom de la boutique qu'on va créer ensemble aujourd'hui. Créer un nom de la boutique, ça c'est pas super important. Donc s'il n'y a pas ce que vous voulez, rassurez-vous, c'est pas grave du tout. Il faut juste que vous créez un nom aléatoire à votre boutique. Donc après, vous choisissez le pays. Donc en l'occurrence, moi je vais mettre France, suivant. Et après voilà, vous créez un compte. Très basique. Donc voilà, j'ai rentré les informations, la boutique est en cours de création. Ça peut prendre un peu de temps, mais c'est normal. Voilà, on vient de créer le compte, la boutique a été créée. Donc ça, c'est le dashboard Shopify, si vous l'avez jamais vu, voilà à quoi il ressemble. À partir de ce dashboard, on pourra gérer tout notre business de A à Z. Donc pour commencer, on va juste cliquer en haut à droite sur gérer le compte. Et là, comme ça, vous pouvez juste créer votre profil sur Shopify. C'est pas super important, mais voilà, vous vérifiez l'email qui vous envoyez. Donc vous cliquez sur le lien, vous vérifiez votre adresse mail et c'est tout. Donc une fois que vous avez créé votre profil sur Shopify, maintenant on va passer à la deuxième étape de la checklist. Donc la deuxième étape, c'est qu'on va générer les mentions légales, tout ça, donc toutes les informations légales qui sont super importantes à avoir sur votre site. Donc faites vraiment attention, et ça c'est pour ça que je l'ai mis en tout premier, parce que c'est super important et souvent c'est négligé par les personnes qui se lancent au début. Donc vous allez dans paramètres, donc vous descendez tout en bas, vous allez dans politique, et là vous avez en gros des politiques, politique de remboursement, politique de confidentialité, conditions d'utilisation, politique d'expédition, coordonnées. Donc voilà, vous avez pas mal de trucs. Nous, on va s'intéresser uniquement à politique de remboursement, politique de confidentialité et conditions d'utilisation. Et politique d'expédition aussi. Donc pour le reste, on n'aura pas besoin de le mettre. Ce sera pas obligé. Donc pour générer les mentions légales sur votre site, vous allez aller sur un outil qui est super pratique. C'est en fait shopify.com/fr/outils. Et là, vous avez un tas d'outils que vous pouvez utiliser qui sont totalement gratuits pour vous lancer sur Shopify. Donc là, nous, on va aller dans générateur de politiques de site web. Donc voilà, vous cliquez sur générer des politiques. Là, ils vont vous emmener directement sur une page. Et là, vous avez juste à cliquer là, donc je vais ignorer pour l'instant les sets de Shopify et créer ma politique. Voilà, et là, vous rentrez vos informations et Shopify va vous générer automatiquement les mentions légales, politique de confidentialité, tout ça. Alors, une fois que vous avez rentré toutes vos informations, vous allez recevoir un mail avec votre politique de confidentialité. Voici à quoi ça ressemble, c'est une page, vous faites copier-coller, il y a énormément d'informations à modifier dedans. Donc voilà, vous avez des informations comme ça, donc tout ce qui est en majuscule, c'est des choses à modifier. Donc moi, je vous conseillerais voilà, de bien prendre votre temps de lire et de remplir les informations que vous avez besoin de remplir dans ce texte. Moi, pour l'instant, on va pas trop s'en soucier parce que c'est un site pour vous, c'est un test. Donc voilà, enregistrer, donc voilà, vous faites directement copier-coller et vous modifiez toutes les informations qu'il faut modifier. C'est assez simple, ça devrait vous prendre 10-15 minutes. Donc maintenant qu'on a les politiques de confidentialité, maintenant on va générer les politiques de remboursement. Donc voilà, c'est le même process, vous retournez dans la même partie outils gratuits sur Shopify. Là, vous allez dans générateur de politiques de retour et vous faites exactement la même chose. Donc maintenant, voilà, pareil, vous collez juste la politique de remboursement, vous modifiez ce qu'il y a à modifier et puis c'est tout. Voilà, il n'y a pas grand chose de plus
à faire. Après, pareil pour les conditions d'utilisation. Donc voilà, pareil, vous avez une page directement, modèle gratuit de conditions générales de vente et d'utilisation. De toute façon, je vous ferai un petit document où je vous mettrai tous les liens. Pareil, encore la même chose. Donc après la politique de confidentialité, tout ça on peut laisser pour l'instant. On va s'intéresser aux conditions générales de vente. Pareil, vous avez encore un site où vous pouvez faire des modèles, vous avez des modèles gratuits, vous pouvez faire la même chose. Je vous mettrai de toute façon tous les liens dans un document. Donc voilà, là moi je viens de le faire. Donc voilà, vous faites copier-coller, vous modifiez ce qu'il y a à modifier. Et voilà, c'est tout. Ça, c'est les plus importants. Donc, politique de remboursement, politique de confidentialité et conditions générales de vente. Tout le reste, vous n'avez pas besoin d'y toucher pour l'instant. Je vous invite quand même à faire juste une politique d'expédition. Donc ça, c'est juste à vous de le faire. Donc en gros, vous mettez combien de temps ça prend pour arriver, donc les colis, tout ça. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est que moi, je vais mettre un texte que je mets d'habitude sur mes sites. Je vous le mettrai pareil dans le document à la fin, que vous pourrez télécharger avec la checklist, tout ça. Donc vous pourrez utiliser ça directement. Donc voilà, ça c'est un petit texte, voilà, un peu banal, un peu bateau. Notre objectif est de vous fournir les meilleures options d'expédition. Donc voilà, et en dessous, voilà, moi ce que je ferai, c'est que je fais un tableau en fait, donc avec tous les endroits et les délais de livraison. Donc voilà, vous pouvez directement mettre un tableau comme celui-là pour partager tous les délais de livraison directement dans la politique d'expédition. Et vous pouvez aussi mettre le prix, voilà, moi j'ai mis 2,94€, vous pouvez mettre n'importe quel prix, ça ce sera les prix de livraison que vous allez utiliser sur votre site. On clique sur enregistrer et après on oublie tout ça. Donc la prochaine étape dans la checklist, c'est de créer la page contact. Donc c'est ce qu'on va faire tout de suite. Vous allez aller dans boutique en ligne, page. Ensuite, vous avez directement là, il y a une page contact qui est déjà créée, donc vous cliquez juste dessus. Et voilà, donc ça, si jamais vous voulez juste créer une nouvelle page et que vous n'avez pas ça, vous allez juste dans modèle de thème et là vous mettez contact. Ça, c'est important parce qu'il y aura le formulaire pour vous contacter le site. Voilà, donc là, donc moi, je vais mettre contactez-nous. Voilà, c'est un peu plus jovial. Vous allez mettre un petit texte, pareil, très simple. Je vous mettrai celui-là dans le document aussi. Donc voilà, nous contacter. En fait, voilà, la page, je vais l'appeler nous contacter. Voilà, comme ça, ça fait plus pro. L'équipe Oudico est là pour vous aider. Et il y a le formulaire, en fait, juste en dessous qui va s'afficher. Donc là, vous pouvez mettre une adresse mail, vous pouvez mettre votre numéro de téléphone. Vous pouvez vraiment tout mettre juste ici. Et juste en dessous, vous aurez le formulaire que les gens pourront utiliser pour contacter le service client. Donc voilà, vous faites sauvegarder. Ça, c'est créé. Et ensuite, la prochaine étape sur la checklist, c'est de rédiger un texte sur la marque. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai choisi le nom de ma marque déjà, donc c'était Woody & Co, comme vous avez vu. Et après, vous écrivez un petit paragraphe juste pour introduire votre marque. Ça peut être un truc assez générique. C'est juste pour qu'après, on puisse l'utiliser un peu pour introduire sur Facebook, sur la boutique, pour le SEO, tout ça. Donc, c'est bien d'avoir une petite introduction. Moi, je vais vous montrer la mienne d'introduction que j'ai écrite là, il y a 5 minutes. Donc voilà, Woody & Co. est une petite boutique spécialisée dans les créations d'artisans. Nous vous proposons chaque semaine des créations insolites à offrir à vos proches ou à vous-même. Chaque objet est parfaitement confectionné par nos soins et ceux de nos artisans pour vous proposer une qualité exceptionnelle à prix raisonnable. Voilà, c'est un petit texte marketing, c'est pas super important, c'est juste pour que ça fasse un peu plus pro et que vous puissiez un peu introduire les personnes à votre marque, même si pour l'instant ce sera du dropshipping. J'ai fait exprès de rester assez généraliste, comme ça, ça nous donne vraiment des options de tester plein de produits différents sur cette boutique sans forcément devoir se nicher dès le début. Donc ce que je vous invite à faire chez vous, c'est de rédiger un ou deux paragraphes comme celui-ci pour votre boutique, pour votre marque, qu'on pourra utiliser justement sur la boutique. Donc voilà, vous faites ça, deux petits paragraphes, et après, c'est tout bon. Petite parenthèse pour le nom de votre marque aussi, moi j'ai vraiment pris un truc au hasard, Woody & Co. Je vous conseillerais de faire pareil. Ne vous prenez surtout pas la tête avec le nom de votre marque, car souvent les débutants ils restent bloqués là-dessus et c'est vraiment quelque chose qui n'est pas important, surtout au début quand vous voulez juste tester des produits et vous n'allez même pas faire une vraie marque. Donc prenez un truc qui sonne bien, prenez un truc que vous aimez bien, c'est pas important. Juste essayez de faire un truc qui est assez court, assez minimaliste, quelque chose qui est facile à prononcer. Voilà, faut pas que vous preniez la tête. Donc une fois qu'on a le petit texte marketing, là on va passer sur la phase création de logo. Ça c'est un truc qui est facile à faire, encore une fois, pas de prise de tête, vous prenez une écriture assez simple, assez sobre, vous écrivez le nom de votre marque et puis c'est tout. Si vous voulez, vous pouvez rajouter un petit vecteur, un petit icône, mais on n'en a même pas besoin en fait.
Donc pour créer votre logo, vous pouvez utiliser un site comme Canva.com qui est un super site pour créer des logos gratuitement. Tout ce qui est design, en fait, vous pouvez le faire complètement gratuitement, donc c'est super. Après, si vous n'avez pas la version payante, vous ne pourrez pas avoir un fond transparent, mais je pense que c'est pas très grave. Donc je vais vous montrer vite fait comment ça marche. Donc voilà, vous allez sur créer un design et vous créez votre logo. Donc voilà, vous avez plein de templates, d'exemples de logos que vous pouvez prendre directement. Vous n'avez pas besoin de vous prendre la tête. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais écrire le nom de ma marque déjà. Donc en fait, vous avez des tas de templates déjà donc pour les logos. Vous avez plein d'éléments, donc c'est des vecteurs, des choses que vous pouvez rajouter dans votre logo. Et voilà, vous pouvez rajouter, vous pouvez mettre des images, vous pouvez faire tout ce que vous voulez en design. Donc ça, c'est vraiment une des meilleures plateformes pour tous ceux qui débutent en dropshipping ou quoi. Moi, personnellement, maintenant, j'utilise Affinity Designer, ce qui est une version... En fait, c'est un logiciel comme Canva, mais c'est beaucoup, beaucoup plus poussé et c'est quand même simple d'utilisation. Donc, pour ceux qui sont un peu plus avancés en design, c'est vraiment ce que je recommande. Mais si vous êtes au tout début, vous ne savez pas vraiment ce que vous faites, utilisez une plateforme comme Canva. Donc, voilà, je vais écrire ma marque, Woody & Co. Voilà, donc moi, je voulais créer une marque qui fasse un peu rustique. Donc, je vais juste trouver une écriture qui montre un peu ce que moi, j'ai envie de montrer avec la marque. Donc, quelque chose qui fasse un peu rustique, quelque chose qui soit un peu vintage. Donc, voilà, ça, c'est pas trop mal. De toute façon, je vais jouer un peu avec des idées, trouver des choses, essayer des choses différentes et vous allez finir par trouver quelque chose qui vous plaît bien. Moi, je veux pas trop de couleurs dans mon logo. Donc, ce que je vous conseille aussi de faire, c'est juste de faire le logo en noir et blanc. Comme ça, vous avez une version en noir sur fond blanc, une version en blanc sur les photos ou sur des fonds un peu plus foncés qui peuvent se mettre à tous les goûts. Donc, voilà, moi, j'ai trouvé ça, je trouve ça sympa. Donc, cette partie-là, on va la supprimer, ça aussi. Et là, Woody & Co. Voilà, ça c'est un logo qui est déjà, ça peut déjà être un logo vraiment pas mal, juste pour la marque. Donc voilà, je vais continuer à chercher quand même, peut-être que je vais trouver quelque chose de mieux, et on se revoit très vite. Alors le logo il est fini, c'est très 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 basique, très 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 simple, c'est juste une écriture noire, écrit Woody & Co. J'aurais pu faire un truc beaucoup plus stylé, je voulais vraiment pas me prendre la tête. Et pour vous, c'est la même chose, voilà. Faites un truc très basique, très simple. De toute façon, regardez les grandes marques, leurs logos, ils sont très minimalistes. Pas besoin d'aller chercher midi à 14h, pas besoin d'aller chercher plus loin. Si vous trouvez que ça rend pro, ça suffit. Donc là, je trouve que c'est très bien. Woody & Co, c'est écrit en noir sur blanc, ça suffit. Voilà, maintenant, je le télécharge. Donc si vous n'avez pas la version payante de Canva, vous pouvez pas la télécharger en transparent et vous pouvez pas non plus enlever les bordures blanches là qui sont sur le côté. Donc c'est pas très grave. On va le télécharger comme ça. Et une fois que c'est téléchargé, donc nous on va juste le crop. Donc c'est-à-dire qu'on va juste le découper en fait très facilement avec l'ordinateur. Vous pouvez trouver une solution avec une appli ou n'importe quoi si vous savez pas faire. C'est très simple. Donc voilà, maintenant on a un logo. Donc voilà, on peut cocher toutes les choses qu'on a déjà fait. Voilà, on a fait tout ça. Maintenant, on va choisir une couleur d'accent et une couleur secondaire pour notre marque. Comment vous pouvez trouver une couleur d'accent ou une couleur secondaire pour votre marque? C'est très simple. Vous pouvez aller sur des sites comme celui-là, flatuicolors.com, qui vous permet de trouver des couleurs en fait qui vont bien ensemble. Pour nous, on essaie de faire un truc un peu rustique, donc peut-être un marron clair, un beige, je ne suis pas encore sûr. Donc voilà, on va chercher une couleur ensemble qui sera la couleur principale et après la couleur secondaire va dépendre de la couleur principale. Vous avez aussi ce site qui s'appelle Adobe Colors. Donc ça, c'est un très bon site aussi. Pareil, vous pouvez vraiment choisir des très bonnes couleurs qui vont ensemble et c'est assez simple d'utilisation. Donc moi, la couleur que je vais prendre, c'est celle-là, Alameda Ocre. Je trouve qu'elle est assez belle. Ça fait un peu bizarre, mais je pense que sur le site, ça rendra très bien. Donc ça, c'est la première couleur que je vais choisir. Donc voilà, vous prenez le hex code, vous le mettez de côté, donc vous le copiez quelque part dans vos notes. Donc allez, pour la couleur secondaire, on va prendre ça, mais la vérité, c'est que vous n'avez même pas besoin d'une couleur secondaire, une couleur suffit. Donc je pense que même ce qu'on va faire, dans l'esprit d'utiliser, de perdre le moins de temps possible sur la boutique, je vais prendre que la couleur primaire. Et normalement, ça devrait le faire. Donc voilà, donc une fois qu'on a choisi les couleurs du site, là, vous ajoutez le logo et les couleurs directement dans les réglages. Donc voilà, vous allez sur Shopify. Et maintenant, ça, c'est nouveau, en fait, et c'est super intéressant. Vous allez, en fait, directement dans Marque. Et là, vous pouvez rentrer votre logo, en fait.
Donc voilà, vous rentrez votre logo. Vous mettez le logo directement sur Shopify. Voilà, c'est mieux d'avoir un fond transparent. Nous, on a utilisé Canva, la version gratuite. Donc voilà, c'est un fond blanc. C'est pas très grave, puisque de toute façon, ce sera sur fond blanc. C'est mieux d'utiliser un fond transparent. Ça fait quand même plus professionnel. Après, voilà. Aussi, là, pareil, on l'a téléchargé en 512 x 512. C'est mieux si vous arrivez à avoir une meilleure résolution sur votre logo. Comme ça, ça rendra mieux sur votre site et sur les réseaux sociaux. Donc moi, ce que je ferais normalement, c'est que j'utilise Affinity Designer. Je ferai un bon logo, fond transparent, avec voilà, vous pouvez tout choisir. Donc c'est pour ça que je vous conseille quand même de passer avec un logiciel plus professionnel comme Affinity Designer. Mais voilà, pour l'instant, ça suffit très bien. Faut pas se prendre la tête, comme je vous ai dit. Dans la couleur principale, ce que je vais rajouter, c'est je vais mettre noir. Parce que, comme je vous ai dit dans les vidéos avant, il faut toujours utiliser noir et blanc comme les couleurs principales de votre site et vous mettez une couleur d'accent. Donc voilà, là, vous mettez noir comme couleur principale et la couleur contrastante, là, vous pouvez mettre la couleur que vous avez choisie. Donc moi, en l'occurrence, c'est celle-là. Et voilà, voilà, on a un beau contraste entre le noir et la couleur secondaire. Moi, je trouve que c'est très bien. Et après, vous pouvez encore avoir une autre couleur secondaire. Donc voilà, un gris, quelque chose. Nous, ce qu'on va mettre, moi, c'est un gris que j'aime bien utiliser. C'est, voilà, FAFAFA. C'est juste, c'est un gris très, très clair qui fait assez professionnel, qui fait assez clean sur les sites. Donc voilà, ça suffit. Après, là, je vous conseille quand même d'ajouter l'image de couverture, d'ajouter un slogan, d'ajouter bref description. Bah voilà, dans courte description, vous pouvez ajouter le petit paragraphe que vous avez écrit dans l'étape d'avant. Des fois, c'est trop long. Donc voilà, vous mettez juste la première phrase que vous avez écrite. Ça devrait suffire. Là, vous pouvez mettre plein de choses, un slogan, tout ça. Moi, je vous conseille vraiment de tout mettre. Pour l'instant, on va pas se prendre la tête, c'est pas important. Si vous vous lancez, vous pouvez mettre juste ça, ça suffit. Une fois que vous avez mis la petite description de votre site, là, vous pouvez ajouter les réseaux sociaux. Donc là, vous pouvez ajouter la page Facebook de votre marque, la page Instagram, TikTok, tout ce que vous voulez. Donc voilà, vous l'ajoutez ici, vous remplissez bien toutes les informations s'il le faut. Mais voilà, pour commencer, le plus important, logo, les couleurs, et voilà, tout ce qu'on a mis. Et maintenant, on peut quitter ce menu. Donc la prochaine étape dans la checklist, c'est d'ajouter un produit. Donc c'est ce qu'on va faire tout de suite, on va ajouter le premier produit du shop. Pourquoi on ajoute le produit avant, en fait, de même d'avoir créé le site? C'est comme ça, pendant qu'on crée le site, on perd pas de temps. En fait, on crée le site et en même temps, on crée la page produit. Donc, on fait la mise en page de la page produit. Donc, une fois que vous arrivez sur la page produit, donc voilà, en cliquant ici, vous arrivez sur cette page-là. Donc, vous pouvez juste cliquer sur « Ajouter vos produits » et là, vous pouvez créer un produit. Voilà, très simplement. Voilà, donc vous rentrez un titre, la description, les images. Donc voilà, très important d'avoir des belles images. Le prix, prix avant réduction, ça on n'est pas obligé, c'est facultatif. Facturer les taxes sur ce produit, comme en France, on vend toujours taxes incluses et pas taxes séparées comme aux États-Unis. Et bien en fait, on va pas facturer les taxes sur le produit et ça, vous rajouterez les coûts des taxes, tout ça, directement dans vos prix. Voilà, afficher le prix, tout ça, suivre la quantité, ce genre de choses, on coche pas, on fait du dropshipping, on n'a pas besoin de cocher cette case. Voilà, SKU ou code barre, ça, dans le futur, c'est important pour l'instant. Vous en avez pas besoin, c'est un produit physique, voilà, ça c'est, vous laissez cocher comme ça. Et là, c'est les variantes, donc voilà, taille, couleur, matière, style, ça c'est assez important justement d'ajouter les options. Alors nous, pour le produit qu'on va utiliser aujourd'hui, on va utiliser donc le produit qu'on a trouvé dans la vidéo précédente, voilà, très très simple, très basique, on n'a pas besoin de se prendre la tête. Pour vous rappeler, le produit qu'on avait choisi, c'était celui-là, donc voilà, on va ajouter ce produit directement dans la boutique, très simplement. Donc pour le nom du produit, ça va être oiseau en bois fait main. Ça, c'est le titre du produit. Pour le titre du produit, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Il faut juste que ce soit descriptif, mais en même temps que ça donne un peu aux gens d'acheter. On n'est pas sur Amazon, donc on ne met pas des mots-clés. Là, on essaie de faire un titre plus comme sur voilà, les sites de marque, voilà, ce qu'ils mettent en titre de produit. Bah, vous allez faire un peu la même chose. Donc voilà, oiseau en bois fait main, stand inclus, assez basique, c'est descriptif. Ça donne aux gens envie d'acheter. Pour la description produit, moi ce que j'ai utilisé, voilà, j'ai traduit directement avec DeepL sur le site qu'on a pris donc avant, juste avant. Donc voilà, moi j'ai juste traduit leur description, je l'ai mis. Pour ce genre de produit où c'est très visuel, c'est pas super important. J'ai repris leur description à eux. Vous pouvez faire ça si vous avez trouvé un produit sur le marché américain et que vous voulez le mettre sur le marché français. C'est pas ce que je vous recommanderais à 100%. C'est mieux d'écrire soi-même une description ou d'avoir un copywriter. Mais voilà, quand moi je veux gagner du temps là, donc ce qu'on va faire, moi j'ai traduit directement leur description.
ce qu'on va faire, on va, voilà, la mise en page, ça c'est très bien. Donc voilà, ça c'est un peu plus les caractéristiques aussi, vous pouvez du coup les laisser. Taille de l'oiseau, hauteur 5 cm, largeur 4 cm, longueur 8 cm, 10 cm. Et matériaux utilisés, donc voilà, on va pareil, mettre en gras. Voilà, on fait enregistrer, voilà. Donc j'ai juste mis en page en fait, juste pour que ce soit un peu plus professionnel. Mais voilà, j'ai juste sauté quelques lignes, le titre en gras, et puis c'est tout. Alors pour les images, ce que j'ai fait, c'est que j'ai aussi repris les images du site d'avant. Donc normalement, moi, ce que je vous recommanderais, donc quand vous avez une image comme ça, par exemple, c'est vraiment en fait de pas laisser le texte. Vous coupez le texte avec un éditeur d'image ou vous rajoutez un texte par-dessus en français. Mais moi, je préfère ne pas du tout mettre de texte. Ça fait plus professionnel. Donc voilà, vous enlevez tout ça. C'est assez facile à enlever. Voilà, moi, je veux pas perdre trop de temps là tout de suite. Donc je vais juste le mettre comme ça. Et après, quand je vais améliorer à la fin, avant de lancer les pubs, je vais remodifier tout ça derrière. Très important d'avoir des images sobres. Je vous recommanderais pas de voler les images comme là je fais sur un autre site concurrent, à part si c'est des images qui proviennent d'AliExpress ou que eux-mêmes ils ont pris sur un autre site, parce que voilà, il peut vous arriver quelque chose, mais au début c'est pas grave, vous pouvez prendre les images sur un autre site, sur Google, sur AliExpress de toute façon c'est pas un problème, vous pouvez prendre les images d'AliExpress ou d'Alibaba. Moi là je reprends juste leur image parce que c'est plus simple, mais voilà, faites bien vos recherches, trouvez bien les meilleures images disponibles pour votre produit sur internet, et surtout dès que vous commencez à faire des ventes, le mieux c'est que vous preniez vous-même vos photos ou vous les envoyez chez un photographe. Après là, pareil, si vous volez les photos sur un autre site, vous pouvez les utiliser pour tester, pour faire des tests sur Facebook, sur TikTok Ads, mais dès que le produit prend, trouvez des meilleures images ou faites vos images vous-même, ça vous coûte pas grand-chose au final, même avec un iPhone, ça suffit. Donc moi là, je prends les photos du site, mais je vous recommande vraiment déjà d'alterner les images, donc quand dans cette situation-là par exemple, mais aussi de faire vos propres images ou de trouver un moyen d'avoir vos propres images, c'est super important. Donc moi je vais importer que 3 versions de ce produit là, donc 3 couleurs différentes, 3 espèces d'oiseaux différents, comme ça c'est plus simple. Pareil, je vais vous montrer comment faire 3 variantes, je vais pas en rajouter 10 parce que ça va prendre trop de temps pour vous montrer là, mais pareil, vous pouvez ajouter autant de variantes que vous voulez, c'est pas un problème, et pour les images faites bien ce que je vous ai dit. Donc ces images là, elles sont quand même belles. Le fond gris, moi je préfère des fonds blancs en général, mais c'est vrai que là ça fait ressortir bien les couleurs. Donc voilà, les images de toute façon c'est bien toujours là au moins d'en avoir 2 par variante. Donc voilà, moi j'ai pris 2 images par variante parce qu'en fait c'est bien par exemple voilà, d'avoir une image sur fond uni, sur fond blanc, sur fond gris, quelque chose qui fasse assez professionnel, et une image en utilisation. Donc par exemple si c'est une décoration de jardin, vous le mettez dans un jardin. Si c'est un collier, vous le mettez sur un cou, sur le cou de quelqu'un ou sur... quelque chose pour tenir un bijou, voilà, n'importe quoi, mais juste essayer de mettre le produit dans son contexte. Donc une image sur fond blanc et une image dans son contexte. Voilà, ça c'est vraiment ce que je préfère faire. Et là, voilà, c'est ce qu'ils ont fait sur le site sur lequel j'ai pris les produits, donc c'est parfait. Ensuite, ce que vous allez faire après avoir importé les images, c'est que vous allez rajouter les variantes. Donc si vous avez qu'une variante, ça sert à rien de la rajouter. Mais moi, dans ce cas-là, j'ai importé 3 oiseaux différents, donc on va rajouter les variantes. Donc là, vous pouvez choisir taille, couleur, matière, style, mais vous pouvez aussi juste écrire quelque chose en fait. Donc nous, on va mettre espèce. Donc voilà, c'est pour les espèces d'oiseaux. Donc voilà, vous pouvez mettre en fait tout ce que vous voulez. Et là, c'est les valeurs. Moi, je vais juste traduire les noms des oiseaux parce que je les connais pas en français. Et je vais les mettre, voilà. Et vous les séparez en fait juste avec, vous cliquez sur entrée et ça se sépare tout seul. Vous allez voir, c'est très simple. Voilà, rajoutez quand même des majuscules, homo, ça fait plus professionnel. Et voilà, vous cliquez sur entrée et voilà, ça vous met une autre case. Le dernier, c'est la fauvette. Donc voilà, vous ajoutez directement dans les valeurs, cliquez sur terminer et voilà. Voilà, maintenant vous avez vos options. Pour le prix, ouais, j'ai oublié de mettre un prix. Pour le prix, là, on va les fixer, comme on a dit dans la vidéo précédente, aux alentours de 30-35 euros. Donc moi, je vais les mettre à 29 euros et après, on prendra un frais de livraison, donc ce sera nickel. Et on va mettre une réduction. Ça, vous n'êtes pas obligé. Sur ma marque principale, je le fais pas. Je mets pas de prix avant réduction, juste parce que je trouve que ça fait pas pro d'avoir tous les produits soldés. Mais quand vous avez un produit, vous voulez le tester, en vrai, ça marche bien. Donc vous pouvez, par exemple, mettre 39 euros. Donc là, c'est comme s'ils pouvaient économiser 10 euros sur le produit, donc c'est quand même sympa. Moi, comme là, j'ai ajouté le prix après, donc ça n'a pas marché. Pensez bien à rajouter le prix avant de mettre les variantes. Mais ce qu'on peut faire là, c'est juste aller dans... Genre là, voilà, vous cliquez, vous sélectionnez les 3, ouvrir l'éditeur en bloc. Et après, vous pouvez modifier tous les prix. Donc vous cliquez sur les 3 petits points.
Cliquez sur modifier les prix et voilà, vous pouvez modifier les prix tout simplement. Donc voilà, 29 euros. Ou sinon, on peut mettre 29,90. Moi, maintenant, j'aime bien mettre 00 à la fin, juste parce que ça fait plus pro, ça fait une différence entre toutes les boutiques dropshipping qu'on voit. Mais voilà, là, on va mettre 29,90. 90, c'est bien. Pour ajouter les prix, donc le prix barré, donc à 35 euros, là, vous cliquez sur ouvrir l'éditeur en bloc et là, vous pouvez mettre donc voilà votre prix. Non, on avait mis 39 euros, voilà. Donc voilà, 39 euros, le prix barré, comme ça, voilà. 10 euros de remise. Vous retournez à la page produit. Et là, ça, c'est une petite subtilité, mais dans les variantes, moi, j'aime bien rajouter les images qui sont là. Donc là, vous cliquez juste là, cardinal. Voilà, celui-là, c'est le cardinal masculin. Le merle bleu de l'Est, c'est celui-là. Et la fauvette, c'est celle-là. Comme ça, en fait, quand les gens ils vont cliquer sur les différentes variantes, et ben en fait, ça va mettre directement l'image associée. Et ça fait beaucoup plus pro aussi sur votre site. Donc voilà, là maintenant qu'on a ajouté le premier produit sur le site, la prochaine étape, c'est de créer une collection. Là, dans le cas, bon, on n'a qu'un produit, donc ça ne sert pas à grand-chose. Mais éventuellement, je vais quand même vous montrer. Pour créer une collection, c'est très simple. Vous cliquez sur « Créer une collection ». Là, donc dans « Produits », en dessous, vous avez « Collection ». Donc là, par exemple, vous pouvez appeler ça « Nouveauté »,« Meilleure vente ». Donc voilà, en fait, il faut créer une collection pour tout ce que vous voulez montrer sur votre menu, par exemple. Donc, quelqu'un, par exemple, imaginons, il clique sur votre site, il va sur la homepage, mais à côté, les autres options du menu, ça va être, par exemple, « Nouveauté ». Si vous voulez avoir une collection « Nouveauté » ou une collection « Été 2023 », vous avez énormément de choses que vous pouvez faire. Là, c'est vraiment super important de créer des collections, surtout quand vous avez plusieurs produits. En monoproduit, c'est vrai que c'est pas vraiment utile. Mais voilà, donc là, pour créer une collection, vous cliquez sur « Nouveauté ». Soit vous ajoutez les produits de manière manuelle, donc vous allez dans « Manuel » et après, vous ajoutez les produits directement. Soit vous allez dans « Automatiser », et ça, c'est très très puissant, attention. Vous voyez, par exemple, par rapport à la balise, donc le tag du produit, vous pouvez juste rentrer, par exemple, donc sur chaque produit individuel, vous pouvez mettre une balise. Par exemple, le mot « rouge », si vous voulez créer une catégorie « rouge » sur votre site, vous avez tous vos articles « rouges ». Et là, vous écrivez « rouge », donc par rapport à la balise que vous avez mis sur le produit, et tous les produits qui ont cette balise, ce tag, et bien en fait, ils vont être affichés dans cette collection. Et là, vous pouvez vraiment trier, en fait, tout ce que vous voulez. Donc, par exemple, tous les prix, par exemple, vous pouvez créer une collection, tous les prix à moins de 50 euros, donc prix à moins de 50 euros, prix à moins de 100 euros. Donc, il y a beaucoup de marques qui font ça aujourd'hui. Vous pouvez trier vraiment comme vous voulez. Et en fait, les produits seront ajoutés automatiquement dans la collection. Nous, pour l'instant, on ne va pas créer de collection. C'est pour ça que je vous ai mis aussi dans la checklist que c'était une étape facultative, parce qu'au début, si vous avez un produit, deux produits, trois produits, c'est pas nécessaire. Voilà. Mais ce qu'on fait d'habitude, voilà, vous créez juste une collection catalogue, vous pouvez mettre tous les produits dedans. Donc par exemple, nous on va juste mettre prix supérieur à 1 euro. Comme ça vous avez tous les prix dedans et comme ça vous avez un catalogue sur le site. Pour la suite, on va créer les menus du site. Donc là, ça c'est une étape très 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 importante parce qu'en fait sur votre site, il vous faut des menus. Vous avez le menu de la homepage, vous avez le menu du footer, donc dans le bas de votre site. Donc c'est super important, donc voilà, de créer des menus. Donc là, vous cliquez sur « Boutique en ligne » dans le menu à gauche et là, vous cliquez sur « Navigation ». Ça, c'est une étape très, très, très importante pour qu'en fait, par la suite, vous pouvez modifier vos menus sur votre site. Donc, vous cliquez sur « Ajouter un menu » ou vous pouvez reprendre les menus directement sur le site. Là, on a déjà « Accueil, catalogue, contact ». Pour l'instant, ça suffit. Et dans le menu « Pied de page », par contre, on va modifier et on va ajouter les politiques de confidentialité, connaissance générale de vente, de retour, tout ça. On va le rajouter en fait directement dans le menu de « Pied de page ». Pour tout ce qui est légal, en fait, c'est beaucoup mieux d'avoir ça dans le bas de page. Donc, très simplement, ajouter un élément de menu. Vous trouvez là dans le lien, en fait, vous allez dans politique tout en bas et vous cliquez donc voilà sur ce que vous avez rajouté. Donc par exemple, nous on va mettre privacy policy, donc ça c'est la politique de confidentialité. Là vous cliquez sur politique de confidentialité et voilà, vous ajoutez. Alors voilà, j'ai ajouté toutes les politiques, donc voilà, politique de confidentialité, retour, conditions générales de vente et le guide de livraison. Donc le guide de livraison c'était politique de livraison, quelque chose comme ça. Moi j'aime bien écrire guide de livraison, c'est plus amiable et après vous pouvez dire aux gens de cliquer dessus et ça leur donne en fait les délais de livraison. Donc ça c'est une page importante. Donc voilà, vous cliquez sur enregistrer et maintenant bah, dans votre menu pied de page vous avez toutes les mentions légales super importantes. Alors une fois qu'on a fini tout ce qu'on vient de faire, donc c'est seulement à ce moment là qu'on va attaquer le site.
Pourquoi est-ce qu'on prend autant de temps à arriver jusqu'au site? En fait, c'est juste parce que c'est un gros gain de temps, en fait, d'effectuer toutes les tâches qu'on vient de faire ensemble avant même de créer votre site. Tous les débutants, ils veulent arriver, ils veulent se lancer directement à créer le site. Mais si vous n'avez pas fait toutes ces tâches-là, comme je vous ai dit, et comme vous pouvez voir directement dans la checklist, le problème, en fait, c'est que vous allez juste créer votre site, vous allez perdre énormément de temps parce qu'à chaque étape, vous allez devoir faire des choses. Donc là, maintenant qu'on a fait toutes ces étapes-là, maintenant, on va enfin commencer la création de la boutique. Donc là, pareil, dans le menu à gauche, vous cliquez sur boutique en ligne. Là, directement, vous restez sur l'onglet thème. Et là, vous pouvez directement personnaliser le thème done. Donc à cette partie-là, moi, je vous ai mis dans la checklist que vous pouvez choisir votre thème. Donc là, vous pouvez aller dans la bibliothèque de thèmes gratuits. Il y en a des payants qui sont très bien. Donc il y a plein de thèmes qui sont super. Donc je vous invite quand même à aller regarder. Mais personnellement, moi, je vous recommande de commencer avec le thème done juste parce qu'il est super rapide. Il est super efficace, il convertit bien et en fait, il est tout simplement parfait. Très, 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 très basique. Donc voilà, en termes de design, tout ça, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Mais franchement, vous n'avez pas besoin de plus. Et si vous voulez pas perdre de temps et vraiment faire les choses de manière efficace, prenez le thème done. Je vous assure que ça fera parfaitement l'affaire. Et nous, c'est ce qu'on va faire dans cette vidéo. Donc, on va aller directement utiliser le thème done qui est déjà préinstallé sur le site. Et on va cliquer sur personnaliser. Et pour vous dire, même sur ma marque principale aujourd'hui, j'utilise encore le thème done. Donc, j'ai essayé plein de thèmes payants et tout. Au final, je suis revenu sur le thème done parce que vraiment, je cherchais la rapidité, moi, pour mon site. Et j'ai juste un développeur, en fait, qui modifie certaines choses pour moi. Mais au début, vous n'avez pas du tout besoin de ça. Il faut juste que vous utilisez le thème de base. Il est très, très, très bien. Alors, donc là, comme vous pouvez voir, le logo est déjà mis sur le site grâce à la page marque. Donc voilà, vous pouvez aller voir. Maintenant, ce qui est bien avec le nouvel éditeur Shopify, c'est que vous pouvez cliquer directement sur l'entête, par exemple, et ça va vous mettre dans les réglages de l'entête. Donc là, voilà, le logo, il est là. Nous, on va l'agrandir un tout petit peu. Pas trop grand parce que ça fait pas très professionnel. Je vous conseillerais aussi de toujours checker votre site sur téléphone mobile, voir comment il rend. Mais vous pouvez voir que là, je trouve que c'est déjà très, très beau, ce logo. Très minimaliste. Mais c'est vraiment ce qu'on cherchait. Donc voilà, vous allez voir sur téléphone. Est-ce que ça rend bien? Toujours voir sur téléphone parce que 80% des personnes qui vont arriver sur votre site vont arriver sur mobile. Donc c'est limite plus important que la version ordi en fait. Vous pouvez même éditer votre site en utilisant ça directement sans même passer par l'ordi parce que c'est tellement important. Moi, j'aime bien faire les deux. Mais voilà, question de préférence. Donc là, on a déjà le menu là. On a déjà le menu qui est dans le pied de page. Donc là, on en a deux. On va en enlever un des deux parce que c'est les mêmes. Voilà, donc il y a déjà énormément qui est déjà fait. Là, on va juste cliquer ici. Moi, je vous conseillerais de mettre livraison. Soit vous mettez la livraison gratuite parce que ça incite les gens à acheter. Soit vous pouvez mettre livraison, par exemple, offerte. Donc voilà, nous, ce qu'on va faire, est-ce que c'est mieux en majuscule, offerte à partir, allez, de 50 euros par exemple. Donc ça, c'est, moi, je vous invite à faire ça parce que c'est mieux en fait pour convertir les gens. Et surtout, ça les incite, par exemple, si vous vendez un produit à 30 euros, en fait, ça les incite d'en acheter deux et d'augmenter votre panier moyen. Ça, c'est une toute petite stratégie, mais je préférais vous le dire comme ça. Moi, je vais le mettre directement en haut du site. Comme ça, les gens, dès qu'ils arrivent, ils vont voir. Livraison offerte à partir de 50 euros. On va le mettre au centre. Et pour les couleurs, donc voilà, vous pouvez regarder maintenant, du coup, les combinaisons de couleurs avec les couleurs que vous avez déjà. Voilà, donc accent 1, je crois que je vais le laisser en noir, moi. Donc juste, si jamais, petit bémol, dans les couleurs, en fait, elle est bien dans les paramètres du thème, donc dans le menu à gauche, voilà, c'est ce petit pinceau. Et en fait, là, donc, si vous mettez une couleur de base déjà, donc par exemple, accentuation 2, vous allez mettre votre couleur de contraste principale. Accentuation 1, pareil, vous allez connecter la source dynamique, donc voilà, ça va se connecter, en fait, à la marque dans les réglages, et voilà, donc là, vous mettez votre couleur. Veillez bien à mettre vos couleurs partout. Donc ça, vous pouvez choisir d'autres couleurs, mais je vous recommande vraiment d'utiliser les couleurs de votre marque. Donc voilà, pour l'instant, on va laisser comme ça. Après, on verra si on veut changer un peu les couleurs ou quoi. Donc voilà. Donc ça, cette partie-là, soit je vais la mettre en noir, soit je vais la mettre dans la couleur secondaire. Perso, je trouve que ça fait plus professionnel en noir. Donc voilà, on va laisser comme ça. Et voilà, déjà, ça, c'est un bel en-tête pour notre site. Voilà, ça fait assez pro. C'est déjà un bon début. Pour la bannière, donc pour les images d'habitude, ce que je vous recommande comme site, donc voilà, il y a deux sites que je vous recommande. Il y en a un, c'est unsplash.com. Donc ça, en fait, c'est des images de photos. Donc c'est des banques d'images gratuites.
Donc voilà, vous avez Unsplash.com et Pexels.com. C'est deux très bons sites pour débuter. Voilà, banque d'images gratuite, vous pouvez vraiment prendre des images là-dessus. C'est super. Donc moi, pour aller avec le thème de mon site, je vais taper bois. Je vais mettre un truc en rapport avec le bois. Mais j'aime bien aussi mettre dans ma page d'accueil des personnes avec le sourire, en fait, parce que c'est toujours plus vendeur, des personnes avec le sourire. Donc voilà, c'est bien de... J'ai trouvé une image en fonction avec ce que je cherche. Alors voici l'image que j'ai trouvée au final. Je l'ai trouvée sur Pexels. Bon, c'est pas la meilleure image, mais bon, au moins, on voit une femme qui sourit devant son ordinateur. Donc, on pourrait croire qu'elle fasse du shopping sur notre site. L'image, elle est pas particulièrement bien. J'ai juste trouvé que l'effet, le filtre, en fait, il allait bien avec la marque que j'essaye de faire. Donc voilà, on va télécharger l'image gratuitement et après on pourra la mettre directement sur le site. Moi honnêtement, je préfère formater mes images, donc voilà, je préfère découper mes images en haut et en bas avant de les mettre sur mon site. Et c'est aussi mieux de compresser vos images pour qu'elles soient plus petites. Ça, c'est une étape que souvent les personnes négligent, mais en fait, c'est super important. Il faut toujours compresser vos images avant de les mettre sur votre site. Donc moi, pareil qu'avant, je vais déjà utiliser donc juste l'outil de Apple gratuit juste pour couper en fait l'image... pour qu'elle soit plus petite. Donc voilà, genre, faut pas que ce soit des images trop carrées, faut qu'elle soit plutôt rectangulaire. Donc voilà, je trouve que là c'est pas mal. Et voilà, donc quand vous exportez une image, vous pouvez du coup, quand vous êtes sur Apple par exemple, là vous pouvez réduire la qualité. Donc ouais, faudra quand même qu'on réduise l'image. Là elle est à 3 MB, c'est toujours pas suffisant. Je pense que c'est l'image, elle est trop grande. Après, faut aussi qu'on la rapetisse. Honnêtement, vous avez plein d'outils sur internet donc pour resize les images, donc pour les rendre plus petites, pour compresser les images. Donc par exemple, vous avez un site qui s'appelle TinyPNG. Donc voilà, ça c'est des sites en fait où vous pouvez compresser vos images pour qu'elles soient plus petites sur votre site. Moi, c'est ce que j'ai toujours utilisé. Donc voilà, ça marche super bien. Mais aujourd'hui, moi, ce que je préfère faire, c'est en fait directement d'utiliser Affinity Designer. Donc voilà, si vous pouvez, je vous conseille vraiment de télécharger cette application parce que vous pouvez faire votre logo, vous pouvez tout faire avec. Mais moi, là, juste, j'aime bien en fait passer mes images là-dessus parce qu'après, je peux les exporter dans n'importe quel format et surtout, je peux les exporter dans des plus petits formats qui prennent beaucoup moins de place et comme ça, j'ai pas besoin de compresser avec un site. Voilà, c'est juste que moi, je préfère. Donc là, ce qui est cool, c'est que moi, j'ai une estimation de combien de place ça va prendre. Donc voilà, moi je vais mettre à 80 MB. Et enfin surtout voilà, vous voyez que le problème c'est ça, il y a beaucoup trop de pixels en fait. Donc voilà, on va mettre 1080 pixels par exemple. Donc là c'est à 508. Voilà, c'est peut-être un peu petit, on va mettre 800. Ok, c'est pas grave, si vous savez pas faire ça, c'est pas très grave. Comme je vous ai dit, vous avez des sites, vous tapez sur Google compression d'image, rapetisser une image, vous allez trouver des outils complètement gratuits sur internet. Moi je préfère juste faire comme ça. Pensez bien ici, donc à aller dans modifier et à cliquer sur retirer, parce que du coup là ce que ça va mettre c'est l'image automatiquement de marque. Mais voilà, nous on va directement uploader l'image qu'on vient de télécharger. Voilà, et ça fait très bien l'affaire, c'est très joli, l'image elle rend bien. Là vous pouvez modifier l'opacité, donc là comme l'image elle est sombre déjà, on va baisser l'opacité. Mais juste pour qu'on puisse lire le texte. Encore une fois, la page d'accueil, faut vraiment pas se prendre la tête avec, parce que les gens en fait ils vont être redirigés directement sur la page produit. Du coup vraiment ça c'est... Vous n'avez pas besoin de prendre trop de temps à construire votre page d'accueil. Donc là vous pouvez mettre par exemple cadeau d'artisan. Et là, donc nous, on va reprendre un peu le texte qu'on avait écrit précédemment. Et on va prendre juste une phrase, par exemple, du texte. C'est parfait. Et après, pour le bouton, juste, vous pouvez changer ce que c'est écrit. Donc, nous, on va mettre découvrir. Voilà, découvrir. Et voilà. Comme ça, on a une page assez professionnelle. Là, ça va rediriger directement sur tous les produits. Pour l'instant, vous n'avez pas besoin de changer. Et c'est tout. Voilà, enregistré. Et là, on a déjà un bel en-tête pour notre site. Donc voilà, la boutique, vous pouvez voir là, déjà, c'est construit. Ça fait assez professionnel, c'est parfait. Honnêtement, moi, je suis pas fan de ça, d'avoir du texte, en fait, par-dessus l'image. Ça fait juste pas très professionnel. Donc moi, sur mes boutiques, ce que je fais, c'est qu'en fait, je fais un design. Donc je rajoute directement le texte et un bouton directement en design sur l'image. Et après, je rends juste l'image cliquable. Donc voilà, les gens ils peuvent cliquer directement sur l'image. Et comme il y a un bouton sur le design, bah, c'est presque la même chose. Je trouve que ça, c'est plus esthétique. Moi là, je vous montre, vous pouvez le faire comme ça parce que voilà, c'est pas super important et c'est simple. Mais éventuellement, c'est mieux que vous puissiez avoir un designer ou, le faire vous-même. Mais que vous avez directement le texte dans le design. Alors voilà, ça c'est assez basique. Là, vous pouvez rajouter
donc là voilà la deuxième, comme on avait écrit deux paragraphes, bah là je vais mettre le premier paragraphe du coup ici dans le texte juste en dessous. Je trouve ça cool en fait d'avoir un petit aperçu de la marque. Et ici vous pouvez rajouter pareil, juste le nom de votre marque. Woody Echo est une petite boutique spécialisée dans la création d'artisans. Nous vous proposons chaque semaine des créations insolites à offrir à vos proches ou à vous-même. Voilà, donc c'est très très basique, c'est très très simple, mais je vous assure que ça suffit pour lancer vos premiers produits. Donc voilà, là vous avez le produit qu'on a fait tout à l'heure qui s'affiche déjà. Ici c'est écrit vente, normalement c'est censé écrire promo. Ça c'est dans la traduction en français de Shopify, des fois il y a des choses qui vont pas. Donc après je vais vous montrer comment on peut modifier le langage dans le thème et changer en fait des mots très spécifiques. Soit pour les corriger comme dans ce cas-là, soit pour augmenter votre taux de conversion en changeant quelques mots qui sont en fait sur les boutons qui vont vous permettre de convertir plus, par exemple dans le checkout, tout ça, mais on verra tout ça après. Alors une fois qu'on a fini cette partie, là ce qu'on va faire, on va passer à la suite du site. Donc là vous pouvez voir que vous avez déjà des sections qui sont déjà faites, donc vous n'avez pas besoin en fait de reprendre. Donc là ici en fait vous pouvez modifier chaque section de votre site et vous pouvez aussi donc supprimer des sections et en rajouter donc parmi tous les choix que vous avez ici. Donc nous ce qu'on va faire, c'est que pour l'instant on va mettre notre seul produit en avant directement. Donc on va faire ajouter une section, on va mettre voilà produit en vedette, et comme ça en fait on a directement notre produit qui sera promu dès le début, parce qu'en fait on n'a pas d'autres produits pour l'instant, donc on va pas mettre 10 000 trucs. Donc voilà, donc directement on a notre produit qu'on vend. Pour l'instant c'est un peu du monoproduit, donc on va faire ça. Après on pourra justement mettre par exemple des collections en vedette avec plusieurs produits qu'on affiche. Pour l'instant on va cacher cette section parce qu'on n'a qu'un produit, du coup c'est un peu triste. Après justement quand vous avez plusieurs collections, là vous pouvez vraiment rajouter donc les sections. Donc là vous aurez des images, là ça fait un beau collage d'images, donc pour que les gens ils retrouvent les collections. Pour l'instant ça sert à rien parce que bah, en fait comme je vous ai dit, on n'a toujours pas de collection sur le site. Donc ça aussi on peut le cacher pour l'instant. Vidéo, ça nous intéresse pas, on va le supprimer, ça c'est pas super utile. Et voilà c'est tout. Pour l'instant le site il est très 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 basique. Éventuellement c'est bien de rajouter des images, de rajouter du storytelling, donc vous pouvez vraiment mettre une section à propos, raconter un peu une histoire derrière la marque et tout. Pour l'instant vraiment on va faire un truc très 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 basique, donc voilà ça suffit largement. Et ici ce que j'aime bien faire, c'est rajouter par exemple des testimonials. Donc par exemple vous pouvez rajouter des visages et écrire par exemple des faux avis. Donc ouais c'est sûr que c'est pas très éthique, mais quand vous venez de commencer en dropshipping, c'est bien d'avoir des avis par exemple, même si c'est des faux, mais c'est super important en fait pour créer de la confiance chez le client. Et de toute façon au début il faut bien faire des choses pour tester. Donc nous ce qu'on va faire, on va trouver des images de personnes sur Pexels. On va découper les images et on va les mettre là sur le site et on va écrire des avis. Donc je viens de télécharger 3 images de personnes au hasard sur les sites que je vous ai montrés. Là j'ai découpé leurs têtes, donc juste les têtes de leurs images. Donc voilà, je vais rajouter leurs 3 images juste ici. Donc là c'est vraiment la bibliothèque d'images, du coup vous pouvez en rajouter plusieurs d'un coup. Et là donc voilà, j'ai déjà découpé les images en carré. Voilà, comme ça vous avez 3 avis directement avec des images, donc ça fait beaucoup plus humain, il y a beaucoup plus de relations si vous mettez des photos. Après, moi je vous conseillerais quand même de prendre des personnes qui sont dans votre démographie d'audience. Donc par exemple si vous voulez target des personnes plus âgées, mettez des photos de personnes plus âgées. Si vous voulez target uniquement des femmes, mettez plus des photos de femmes. Là j'ai fait un peu varié parce que voilà c'est un site de test. Mais voilà, donc là, moi je mettrais par exemple juste des emojis en fait d'étoiles. Donc ouais, ça fait très bien l'affaire. Donc voilà, là je mettrais juste des emojis d'étoiles. Ça peut paraître pas pro, mais je vous assure que ça passe très très bien. Voilà, on met 5 étoiles. Là à la fin, donc là vous écrivez un avis par exemple. Essayez quand même d'être efficace dans votre manière... d'écrire les commentaires, les avis. Donc par exemple, essayez de varier les styles d'écriture, faites un truc assez clean. Voilà, prenez votre temps pour bien faire les choses, les faites pas super rapidement là, pour ce genre de choses vraiment c'est mieux que ce soit plus professionnel. Elle par exemple, elle va s'appeler Marie F, voilà. Et ça, vous mettez en gras. Donc là, vous voyez par exemple que voilà, ça fait assez pro, c'est très bien comme ça. Donc voilà, bon, j'ai fait très 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 rapidement les avis. Essayez de faire un truc beaucoup mieux que moi ce que j'ai fait. Là, c'était juste pour vous montrer. Donc voilà, ça c'est voilà, très rapidement. Vous écrivez quelque chose,
Essayer de faire un truc, essayer de faire un peu des fautes exprès. Essayer de, il y en a vous faites avec faute, il y en a sans faute. Mais voilà, c'est important que ça ressemble à quelque chose qui est réel si vous voulez que les personnes qui tombent sur votre site soient réellement influencées et pensent vraiment que ce sont des vrais avis, quoi. Bien sûr, je vous recommande pas de faire ça tout le temps. C'est vraiment pour les nouveaux sites, parce que si vous commencez un nouveau site et qu'il n'y a aucun avis, ça va être difficile de vendre. Alors que voilà, si vous avez quelques images comme ça, vous allez pouvoir tester vos produits. Au final, ça va très bien marcher. Et une fois que vous allez faire vos premières ventes et tout, là, vous pourrez mettre des vrais avis éventuellement. Voilà, c'est juste qu'au tout début, il ne faut pas penser à tout ça. Il faut juste aller le plus vite possible. Donc voilà, là, on enregistre. On a nos avis, on a le produit ici. Donc voilà, tout semble très bien. Nous, le pied de page, on va le changer de couleur, parce que je trouve qu'en blanc, c'est pas mal, mais là, c'est... Donc voilà, on va le mettre en noir, ça fait très professionnel aussi. Ici, bon, ça, c'est en anglais, donc vous l'écrivez en français, donc inscrivez-vous. Là, pareil, donc là, on a deux fois le même menu. Donc voilà, celui-là, vous pouvez l'enlever tout simplement. Et ici, moi, ce que j'aime bien faire, c'est de mettre un logo, en fait. Donc là, dans le pied de page... En fait, voilà, et donc ici, vous pouvez ajouter un bloc directement. Je vais juste supprimer ça. Donc voilà, vous pouvez ajouter un bloc, choisir. Donc par exemple, là, vous pouvez mettre une image. Et là, moi, ce que j'aime bien faire, c'est mettre le logo du site en bas. Comme ça, ça rajoute un peu plus de preuve sociale. Vous le mettez juste ici. Là, j'ai pas fait le logo en blanc. Je l'ai fait qu'en noir pour le tutoriel. Donc là, voilà, vous imaginez bien le logo en blanc. C'est même mieux, en fait, d'avoir un logo carré que vous pouvez mettre ici. Directement, vous n'avez pas besoin de prendre le même logo. Donc, c'est mieux d'avoir voilà, un logo rectangulaire pour l'entête du site et un logo carré que vous pouvez utiliser sur vos réseaux sociaux, tout ça. Donc, c'est super cool à avoir aussi un logo carré. Donc, maintenant, on enregistre. Et le site, en fait, ça suffit. Là, vous écrivez juste une petite information. Par exemple, vos valeurs à propos, par exemple. Donc là, pour l'instant, on ne va pas se prendre la tête. On va remettre le texte qu'on a écrit tout à l'heure. Mais voilà, moi, je vous conseille quand même d'écrire un truc sympa ici. Une petite fiche à propos, un petit truc comme ça. Et voilà, le site, il est complet. C'était très rapide à faire. Voilà, comme vous voyez. Une fois maintenant qu'on a fait la mise en page de la page d'accueil du site, maintenant on va passer à la mise en page de la fiche produit. Donc là, vous allez en haut en fait. Donc là, vous pouvez vraiment choisir toutes les pages que vous pouvez modifier. Vous pouvez modifier la page collection, les listes collection, les blogs. Bon, il y a énormément de choses que vous pouvez modifier. Mais voilà, le plus important, c'est page d'accueil produit. Éventuellement aussi le panier. Et la page paiement, ça c'est super important aussi. Mais en général, ça se fait plutôt vite. C'est déjà très bien d'origine. Donc pour la mise en page produit, en vrai, il n'y a pas énormément de choses à faire. Parce que c'est déjà très bien en fait. C'est déjà très bien optimisé Shopify. Là, vous avez des choses, donc des onglets. Pour l'instant, on ne va pas s'en servir du tout. Donc ça, c'est super sympa éventuellement avoir des onglets. Mais par exemple, vous pouvez mettre les informations de livraison, quelque chose comme ça. Donc ça, je vais vous montrer. Là en dessous, maintenant, vous pouvez configurer. Donc vous pouvez vraiment mettre quelque chose de super sympa ici pour apporter plus de confiance au client. Donc par exemple, là, vous pouvez mettre une image, un texte. Vous pouvez mettre une liste de choses pour laquelle il faut vous faire confiance. Donc il y a énormément d'options ici. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Donc déjà, on va commencer par retirer. Donc le texte tout en haut là, donc ça, le vendeur, distributeur, ça on veut pas le mettre. Donc ça on retire le bloc, donc voilà, vous cliquez ici, donc si jamais, pour choisir, sélectionner l'élément. Là vous allez directement cliquer sur la partie là, donc le texte, et vous cliquez sur retirer le bloc. Voilà, ça on le voulait pas. Donc voilà, là on a le titre du produit, le prix, les variantes, quantité, tout ça on peut laisser, c'est déjà très bien. Donc voilà, on clique sur enregistrer. La description, ça c'est ce qu'on avait fait tout à l'heure. Et voilà, on a nos petites caractéristiques. Éventuellement, vous pouvez mettre les caractéristiques directement dans le menu en bas, dans ces petits onglets. Moi, j'ai décidé de le mettre ici, tout simplement parce que c'est plus simple, mais éventuellement, si vous avez envie, c'est assez facile de le configurer pour que ce soit là-dedans. Donc là, on va aller, par exemple, toutes ces onglets-là, on va les supprimer. Par exemple, donc là, mais c'est super intéressant. Moi, ce que j'aime bien utiliser ces onglets, c'est par exemple, là, vous pouvez mettre du coup, des instructions pour s'occuper du produit. Si par exemple, vous vendez que des bijoux ou que un certain type de produit, là, vous pouvez mettre un texte général pour l'entretien de tous les produits. Mais nous, on va le retirer parce qu'on n'en a pas besoin. Et par contre, là, vous avez l'onglet livraison. Donc là, vous pouvez l'appeler livraison et retour, par exemple. Et ici, vous pouvez mettre, en fait, juste faire un copier-coller de vos délais de livraison.
Donc voilà, nous on l'avait déjà fait. Donc on peut le reprendre sur notre site dans le menu, là c'est dans guide de livraison. Voilà, vous faites copier-coller. Là pour l'instant, je vais juste reprendre ce texte-là. Donc voilà, là vous juste, là tout ce que vous allez faire, c'est de lister par exemple, donc livraison par exemple France 2.5 à 10 jours par exemple. Et vous listez par exemple les pays. Et là, du coup, en fait, ce sera écrit directement. Et là, vous pouvez mettre juste en gras pour que ça fasse plus professionnel. Vous listez tous les pays. Et voilà, ça, c'est déjà très bien. Donc, pour l'instant, moi, je vais juste laisser France. Et c'est très bien. Là, vous avez un onglet partagé. Donc ça, vous n'êtes pas obligé de le laisser. Des fois, c'est mieux de l'enlever, honnêtement, au début. Parce que ça peut vous réduire votre taux de conversion. Mais c'est pas super grave. Donc, voilà, il faut juste penser bien à traduire tous les petits éléments comme ça. Voilà, vous pouvez mettre partagé. Moi perso, je vais le supprimer parce que j'ai pas envie qu'il y ait quelque chose en fait qui distrait le client quand il est sur la fiche produit, parce que là c'est vraiment le moment décisif où est-ce qu'il va passer la commande ou est-ce qu'il va quitter la page. Donc voilà, le but c'est vraiment de garder au maximum le client sur cette page et pour qu'il valide le panier et pas qu'il aille ailleurs. Le bouton ajouter au panier, ça je décoche tout le temps ça, donc ça c'est super important de décocher afficher les boutons de paiement dynamique. Nous, on veut pas du tout les boutons de paiement dynamique parce que, comme je vous ai dit, ça, c'est quelque chose qui peut typiquement réduire votre taux de conversion. C'est un tout petit détail, mais juste en fait d'offrir deux options à votre client, donc ajouter au panier ou acheter maintenant. En fait, dans les deux cas, bah, c'est la même chose. Donc voilà, autant ne pas afficher ce bouton-là. Comme ça, celui-là, il s'affiche en noir, ajouter au panier. Il n'y a qu'un appel à l'action et c'est beaucoup plus puissant. Donc là, dans la section en dessous, je vous recommanderais vraiment de mettre quelque chose pour donner plus confiance au client. Donc là, vous pouvez reprendre une image de la banque d'images. Là, vous pouvez vraiment faire un texte marketing. Vraiment, ça va s'afficher en fait en dessous de tous les produits. Donc, vous pouvez vraiment mettre les valeurs. Vous pouvez mettre une liste. Par exemple, la livraison, elle est comme ça. Nos artisans, ils font ça. Donc voilà, vous pouvez vraiment faire un bon texte ici en dessous de votre fiche produit pour vraiment donner aux personnes envie d'acheter et pour vraiment leur inspirer confiance. Nous pour l'instant on va pas mettre grand chose ici et pareil là vous pouvez mettre en fait voilà des livraisons gratuites à partir de 50 euros, produits, là vous pouvez mettre par exemple produits faits à la main de qualité contrôlée. Donc il y a énormément de petits textes que vous pouvez mettre comme ça, voilà, là vraiment libre à vous d'utiliser ce que vous voulez, de mettre ce que vous voulez, tant que ça rend bien. Je vous invite vraiment à faire quelque chose de très propre ici. Petite image avec des gens qui sourient, vraiment le petit texte marketing, les petits icônes, tout ce que vous voulez, voilà, juste ici. Mais pour l'instant, nous, on va juste cacher cette section parce que vu qu'elle est vide, ça fait pas très beau. Donc voilà, image avec texte, multicolonne. Ensuite, on va s'occuper d'ajouter, donc ça, ce sera une des parties les plus importantes. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va importer des avis de AliExpress directement. Donc je vais vous montrer comment faire directement. Donc là, vous retournez sur la page d'accueil et vous allez aller juste ici dans application et voilà, vous allez donc directement chercher une application et celle qu'on va chercher c'est Loox. Maintenant il y a énormément de logiciels d'avis sur Shopify qui vous permettent de faire la même chose, donc des applications comme ça, Loox c'est la plus répandue. Moi personnellement j'utilise Okendo maintenant, donc c'est plus cher, c'est beaucoup plus complet pour les avis, mais c'est pas aussi simple d'importer des avis d'AliExpress comme avec Loox. Donc vraiment pour commencer je vous recommanderais Loox, c'est ce que j'utilisais avant, j'ai utilisé très longtemps, ça marche très bien, ça coûte environ 10$ par mois et vous pouvez vraiment ajouter des avis AliExpress, les importer directement, donc c'est assez simple. Donc voilà, on installe l'application. Vous pouvez choisir directement le forfait que vous avez envie d'avoir. De toute façon, ça commence avec un essai de 2 semaines. Donc voilà, c'est pas super important. Donc là, il y a juste une petite étape. Il faut ajouter une carte de crédit. Donc voilà, vous mettez votre carte. Et ensuite, ça devra marcher. Alors, je viens d'ajouter la carte sur Loox. Et maintenant, donc là, c'est juste un petit menu. Donc voilà, il faut juste appuyer sur continuer. Ils reprennent les couleurs de votre branding. Voilà, c'est juste combien de temps ils devraient demander aux personnes qui sont sur votre site de laisser un avis. Donc, vous pouvez mettre 2 semaines. Moi, je préfère mettre 21 jours. Cliquez sur continuer. Donnez un discount aux personnes qui vont laisser un avis. Donc, ça, c'est bien. 15%, c'est très bien. Et voilà. Donc, voilà. Maintenant, vous pouvez appuyer sur Import Now pour importer des avis, par exemple, d'AliExpress. Donc voilà, vous suivez en fait les instructions qui vous disent. Donc nous, ce qu'on va faire en fait, ce que vous devez faire, en fait, c'est d'aller là et vous, en fait, vous tirez cette barre. Vous la tirez en fait dans la barre, là, vous avez une barre en fait, normalement sur Google Chrome ici.
pour les sauvegardes. Donc là, vous la tirez ici. Moi, vu que je suis en incognito, ça, je peux pas le faire. Vous le tirez, vous le mettez là. Et ensuite, après, là, vous avez un bouton. Donc, vous allez sur AliExpress. Vous allez sur la fiche produit du produit que vous voulez ajouter, dont vous voulez importer les avis. Vous cliquez directement là sur le bouton du coup que vous aurez mis là, donc là le petit lien. Vous cliquez dessus et après vous pourrez justement choisir automatiquement d'ajouter les avis. Ils vont demander, vous pouvez valider ce que vous aimez, ne pas valider ce que vous aimez pas. Et puis voilà, donc c'est très très simple. Voilà, ça c'est vraiment une des méthodes les plus simples d'importer les avis de AliExpress. C'est d'ailleurs pour ça que je recommande cette application, Lux. Et sinon après, ça c'est la méthode traditionnelle, vous pouvez aussi écrire plein d'avis. Sur un Google Sheet ou par exemple les exporter d'une autre plateforme si par exemple vous êtes en cours de transition de plateforme, et après vous pouvez juste uploader le fichier pour directement importer les avis. Donc voilà, là je peux pas le faire avec ça, mais voilà, vous avez compris l'idée. Vous importez les avis de Lux, vous pouvez choisir les langues, vous pouvez je crois même traduire. Vraiment, si vraiment vous avez beaucoup de mal avec ça, demandez-moi dans les commentaires. Et éventuellement, si vraiment il y a des demandes, je vous ferai un mini tutoriel sur Lux. Normalement, c'est vraiment pas difficile, donc voilà, j'espère que vous pourrez le faire de par vous-même. Donc la prochaine étape dans la checklist, c'est d'ajouter les options de paiement sur votre site. Donc là, vous retournez, donc là on va quitter l'application Lux. Donc là, vous allez en fait dans les paramètres du site et vous allez aller dans, voilà, donc vous allez dans moyens de paiement. Et là, donc vous pouvez par exemple activer Shopify Payments. Moi, je recommande fortement Shopify Payments, ça marche très très bien. Donc par exemple, là, vous cliquez sur utiliser Shopify Payments. Et en fait, ça va s'activer tout seul. Il faut juste qu'en fait, vous envoyez tous les documents et les informations qu'ils vous demandent. Ça, c'est super important. Il faut le faire très très minutieusement, car s'il y a quelque chose qui ne va pas, ils peuvent refuser votre candidature. Donc voilà, je vous invite vraiment à prendre des grosses précautions lorsque vous créez votre compte Shopify Payments. Vraiment, ça c'est super important. Vous pouvez ajouter donc votre PayPal. Donc là, vous faites ajouter des moyens de paiement. Donc là, gérer le PayPal. Là, en fait, ils vous mettent déjà PayPal sur votre site. Donc les gens, ils peuvent payer. Et une fois que vous avez votre première commande, ils vont vous envoyer un mail pour que vous créez votre compte PayPal. Mais vous, ce que vous pouvez faire, c'est donc directement cliquer sur PayPal dans moyens de paiement. Donc là, vous cliquez sur gérer et vous faites désactiver PayPal Express Checkout. Et après, vous pouvez le réajouter. Donc voilà, activer PayPal Express Checkout. Et là, ils vont vous renvoyer sur PayPal et vous pourrez rentrer votre compte et accepter des paiements sur PayPal. Donc là, vous avez Shopify Payments. Voilà, attention, vraiment ajoutez minutieusement vos détails. Vous avez PayPal et ensuite, vous avez plein d'autres méthodes de facturation, enfin de méthodes de paiement que vous pouvez ajouter. Ce que je vous recommanderais, moi, ce serait Klarna. Klarna, c'est de plus en plus populaire en France. Donc ça, ce serait une bonne chose à ajouter sur votre site si vous voulez avoir plus de diversité. Vous pouvez ajouter Amazon Pay, par exemple. Ça, c'est pour les personnes qui utilisent Amazon. Après, ils peuvent venir sur votre site et avec un bouton payer. Donc ça aussi, c'est super intéressant si vous avez Amazon Pay ou si vous voulez l'avoir. Et après, vous pouvez aussi ajouter Stripe. Donc voilà, Stripe et Shopify Payments, c'est un peu la même chose, c'est la même compagnie derrière tout ça. Mais vous pouvez directement avoir un compte chez Stripe si par exemple vous pouvez pas obtenir un compte Shopify Payments. Donc voilà, ça c'est tous les moyens de paiement. Donc c'est assez simple d'ajouter les moyens de paiement. Ce qui est difficile en fait, c'est vraiment de si vous acceptez pas par exemple. Donc voilà, comme je vous ai dit, suivez de manière très 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 attentionnée tous les détails, toutes les informations à remplir. Essayez vraiment d'être professionnel dans votre démarche et normalement, vous ne devriez pas avoir de problème. Donc voilà, essayez Shopify Payments, essayez d'avoir un compte Stripe, PayPal, tout ça. Et éventuellement, bah voilà, vous pouvez ajouter des nouveaux moyens de paiement tels que Klarna, Afterpay. Il y a plein de nouveaux processeurs de paiement. Essayez juste de faire très attention et d'être professionnel dans votre démarche. Comme ça, vous n'avez pas de problème. Ensuite, il va falloir configurer le checkout. Donc voilà, donc là déjà, vous pouvez aller dans page de paiement, dans les paramètres. Et là, vous pouvez déjà donc configurer pas mal de choses. Donc moi, ce que je fais, donc là déjà, ne pas utiliser de compte. Donc voilà, je préfère ne pas demander un compte ou ne pas proposer au client de créer un compte. Donc voilà, ça c'est très bien. Moi, je vous conseillerais de mettre email ici. Donc voilà, méthode de contact du client. Faut pas laisser le client check out avec son numéro de téléphone uniquement, parce que c'est toujours mieux d'avoir l'email
C'est plus simple pour vous après. Donc voilà, vous cliquez sur email ici. Ça, c'est juste, voilà, ils peuvent télécharger l'application. C'est l'application en fait de Shopify pour traquer les colis. Donc moi, je vous conseillerais de ne pas le laisser parce que voilà, au début, c'est pas utile. Ici, vous cliquez sur exiger le prénom et le nom. Très important d'avoir prénom et nom et pas seulement le nom de famille. Nom d'entreprise, ne pas inclure. Voilà, nous, on essaie de vendre à des particuliers. Donc voilà, on n'inclut pas le nom d'entreprise. Adresse ligne 2, ça vous le mettez facultatif, ça c'est bien. Numéro de téléphone associé à l'adresse d'expédition, je vous conseillerais de le mettre en obligatoire. Comme ça, s'il y a un problème avec la livraison, le client, ben en fait, le facteur pourra l'appeler ou vraiment aussi avec les méthodes de livraison chinoise, il demande un numéro de téléphone. Donc voilà, vous le mettez en mode obligatoire. Comme ça, c'est toujours mieux. Afficher les options de pourboire lors du paiement, il y a beaucoup de gens qui le font. Honnêtement, ça sert à rien, ne le faites pas. Ça vous rapporter un peu d'argent, mais c'est pas vraiment optimisé donc pour les conversions. Utiliser l'adresse d'expédition comme adresse de facturation par défaut, ça vous le laissez. Exiger une étape de confirmation, ça vous l'enlevez parce qu'encore une fois, ça ralentit la conversion. Utiliser la saisie automatique d'adresse, ça c'est bien, vous le laissez. Après le paiement d'une commande, donc ça vous pouvez laisser, ne traiter automatiquement aucune rubrique de la commande, ça c'est pas super important. Ça aussi vous laissez comme ça, c'est bien. Email présélectionné, donc ouais, ça vous mettez en présélectionné, c'est mieux. Et même SMS, ça je vous recommanderais de le mettre, mais voilà, pour l'instant on va pas s'occuper de ça. Et pour l'instant, page après chat, on n'en met aucune. Éventuellement, c'est bien d'avoir une application comme One Click Upsell, vous pourrez faire des upsells, mais encore une fois, ça c'est pas la priorité au tout début. Voilà, ici vous avez de quoi mettre des scripts supplémentaires, donc ça on va s'en servir par exemple pour mettre les scripts de Google Analytics. Pour l'instant, ça c'est en français, parfait. Donc là, on clique sur enregistrer. On peut aussi configurer le design du checkout, donc à quoi ça ressemble. Donc là, vous allez aller dans paramètres de thème, donc voilà le petit pinceau là. Vous allez dessus et là, vous allez aller jusqu'à passage à la caisse. Voilà, et là, donc, on va se mettre aussi sur cette page, comme ça, vous pouvez voir directement. Donc là, on va aller dans paiement. Donc voilà, on peut pas éditer donc, la page paiement comme on édite le reste du site. Donc là, il faut vraiment aller dans les paramètres du thème. Donc là, dans ce pinceau-là, trouver passage à la caisse. Et là, vous pourrez faire les modifications nécessaires. Donc là, juste pour le logo, soit vous pouvez sélectionner une image. Nous, ce qu'on va faire, c'est connecter la source dynamique. Donc voilà, reprendre le même logo qu'on a mis sur tout le site. Voilà, là vous cliquez sur enregistrer. La taille du logo, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Moi je vais mettre petit pour que ça fasse un peu plus professionnel. Donc voilà, souvent en petit c'est mieux. Donc voilà, là on a le logo en petit. Voilà, ça fait très professionnel, c'est super. Donc là les couleurs, pareil. Donc là vous pouvez modifier aussi les couleurs sur la page checkout. Donc là vous pouvez reprendre par exemple les mêmes couleurs que vous avez mis donc avant. Là vous pouvez mettre le bouton. Voilà, je sais pas pourquoi ça bug. Bon, des fois, ça bug un peu Shopify, donc faut laisser un peu de temps. Mais bon, ça marche quand même relativement bien. Des fois, il y a des petits problèmes, c'est pas très grave. Donc, vous pouvez changer les couleurs du checkout. Moi, je vais laisser en bleu comme ça, parce qu'en vrai, c'est pas mal. Vous pouvez mettre en vert. Vous pouvez aussi reprendre les couleurs de votre site. C'est pas mal. Les erreurs, moi, je les laisserai vraiment en rouge, par contre. Mais voilà. Donc, soit vous pouvez mettre en noir ou reprendre les photos, les couleurs du site pour que ça fasse pro. Mais c'est bien aussi des fois de laisser bleu ou vert, c'est des couleurs qui inspirent pas mal confiance. Donc voilà, vous pouvez faire un peu ce que vous voulez, juste essayer de rester professionnel et simple. Pas besoin de se prendre la tête, le bleu de base il marche très bien. Et vous pouvez aussi utiliser par exemple noir si vous voulez vraiment juste rester sobre. Voilà, ou vous pouvez vraiment utiliser aussi les couleurs d'accent. Voilà, noir c'est très bien, bleu c'est très bien, c'est bien vert aussi à tester, donc voir si ça impacte votre taux de conversion de mettre du vert. Donc voilà, nous on va mettre noir. Voilà, le checkout là il est modifié, là on a toutes les politiques de remboursement et tout qui sont déjà mises automatiquement, donc ça c'est génial. Donc une fois que vous avez configuré le checkout, maintenant c'est le moment de passer au pixel Facebook. Donc pour traquer vos ventes, que ce soit avec Facebook Ads, TikTok Ads ou n'importe quelle plateforme, il faut que vous installiez en fait un pixel, donc c'est ce qui va vous permettre de traquer les ventes, les actions en fait que vos clients font sur votre site. Donc ça, c'est super important. Et ça, en fait, c'est les canaux de vente. Donc là, directement sur Shopify. Donc là, par exemple, vous pouvez prendre le canal de vente Facebook. Et après, en fait, il faut juste que vous installez une application et vous faites toutes les étapes, en fait, qu'ils vous demandent de faire. Voilà, c'est juste, voilà, faut que vous connectez, en fait, votre compte, votre profil, votre page, donc votre page Facebook, votre business manager. Donc voilà, il y a énormément de choses à connecter à votre shop. Donc ça, je vais vous faire
le tutoriel plus détaillé dans la partie media buying, donc quand je vais vous montrer comment faire des Facebook ads, des TikTok ads, tout ça, donc plus tard dans la formation. Donc voilà, quand vous êtes sur votre boutique, vous créez votre boutique, vous pouvez déjà configurer donc le pixel. Donc là pour l'instant je vais pas l'installer, mais voilà, vous pouvez configurer le pixel Facebook, pixel TikTok. Pour Google Ads, c'est un peu plus délicat. Moi, je suis pas expert dans Google Ads, du coup, moi, ça, je pourrais pas vous le montrer. Il y a des tutos sur YouTube qui sont très simples à suivre. Donc voilà, il y a beaucoup de gens aussi qui installent le code donc, de Google Analytics, donc pour que vous puissiez aussi analyser votre shop avec Google Analytics. La vérité, c'est que quand vous êtes débutant, c'est assez compliqué et vous allez probablement pas vous en servir. Donc économisez votre temps et vous n'avez même pas besoin de mettre Google Analytics. Éventuellement, vous pourrez le mettre si ça devient quelque chose d'important pour vous. Mais là, je vous conseillerais vraiment de ne pas vous soucier de ça. Si vous voulez faire des Facebook Ads, installez le pixel Facebook Ads. Si vous voulez faire des TikTok Ads, installez le pixel TikTok Ads en passant par cette partie, donc canal de vente. Là, vous tapez par exemple TikTok aussi. C'est la même chose. Il y a juste des étapes à suivre donc dans l'application. C'est assez simple. Des fois, il y a des petits bugs. Donc voilà, il faut vraiment faire attention. Pareil, c'est comme pour les processeurs de paiement. Il faut juste faire attention à vraiment bien suivre les étapes. Je vais rentrer plus en détail dedans lors de la partie sur le media buying, donc sur Facebook Ads, tout ça, de la formation. Donc pour passer à la suite, maintenant, il faut qu'on configure les notifications email. Donc ça, c'est très simple. Vous allez dans paramètres. Après, vous allez dans notifications ici. Donc là, où il y a la petite cloche. Et en fait, là, vous avez énormément d'emails en fait, qui seront envoyés automatiquement à vos clients. Donc que ce soit pour le panier abandonné, que ce soit pour la confirmation de commande, il y a énormément de mails qui sont envoyés en fait à vos clients. Donc vous n'avez pas besoin de tout vérifier un par un parce que Shopify c'est quand même bien. Tous les mails en fait ils sont déjà bien optimisés, ils sont pas mal. Vous, tout ce que vous avez à faire en fait c'est d'aller là, donc cliquer sur ce bouton personnaliser les modèles d'email. Donc en fait c'est juste comme ça, votre email il sera brandé à l'image de votre site. Donc par exemple là vous voyez c'est pas du tout beau, donc là ce que vous pouvez faire donc c'est juste ajouter votre logo déjà, donc comme ça votre logo il apparaît sur tous les emails, voilà, enregistré. Vous pouvez jouer un peu avec la taille pour rendre ça plus professionnel, là je trouve ça bien, et la couleur d'accent. Là, moi je mettrais juste noir, ou vous pouvez aussi choisir la couleur d'accent qu'on a choisi en début de vidéo. Donc voilà, noir c'est très bien, ça fait pro. Vous pouvez très bien mettre aussi votre couleur d'accent. C'est pour ça, c'est bien d'avoir des couleurs limitées, comme ça vous avez une ou deux couleurs, vous n'avez pas besoin de faire des choix à chaque fois entre 5 couleurs. De toute façon, c'est jamais beau quand il y a beaucoup de couleurs sur votre site. Donc voilà, là c'est un tout petit détail, mais c'est assez important pour vraiment avoir une apparence professionnelle avec vos mails, tout ça. On passe à la suite. Ajouter les options de livraison, ça c'est super important à ne pas oublier absolument. Donc là, en fait, vous allez dans expédition et livraison. Donc en fait, là, c'est vraiment, en fait, si vous ne configurez pas cette partie-là, vous ne pourrez pas, enfin, les clients, ils ne pourront pas payer sur votre site parce qu'ils ne pourront pas, en fait, rentrer leur adresse de livraison et tout. Il n'y aura pas de moyens de livraison qui seront présentés aux clients. Vous allez directement aller, en fait, juste tout en haut dans tarifs d'expédition généraux. Voilà, c'est la seule chose que vous avez besoin de faire. Et voilà, donc là, vous pouvez faire gérer. Donc déjà là, vous avez les pays qui sont affichés, donc les différentes zones de livraison. Mais avec le dropshipping, en fait, vous n'avez pas besoin de mettre plusieurs zones, en fait, parce que toutes les zones sont les mêmes essentiellement, car en Chine, on peut vraiment livrer dans tous les pays. Donc là, moi, ce que je vous conseillerais de faire, c'est juste de tout supprimer là, ce qu'il y a là. Et maintenant, vous faites créer une zone d'expédition. Vous donnez un nom de la zone. Donc là, par exemple, vous pouvez taper... Ça, c'est juste pour avoir une référence. Par exemple, moi, je vais mettre francophonie et je vais mettre en fait que des pays francophones dans lesquels je vais vendre. Donc là, voilà, France, Suisse, Monaco. Comme ça, en fait, les gens qui viennent d'autres pays ne pourront pas check out. Et souvent, c'est mieux. Vous n'avez pas besoin de mettre 10 000 pays. Ça fait beaucoup plus pro d'avoir moins d'une dizaine de pays qui sont disponibles sur votre site. Donc voilà, France, Monaco, Suisse, Belgique... Canada, et puis voilà, c'est tout. Donc voilà, maintenant vous faites ajouter un tarif. Donc voilà, là vous avez créé un tarif. Là, attention, là les clients ils vont voir en fait à l'étape de paiement le nom que vous avez donné là. Donc là, moi je vous conseille juste de mettre livraison standard. Voilà, vous pouvez aussi mettre entre parenthèses. Le temps que ça prend, par exemple 5 à 12 jours par exemple. Voilà, moi je vais pas le mettre pour l'instant.
Ça, c'est mieux quand même que vous mettiez des informations qui soient vraies, donc soyez sûr de ce que vous mettez ici. Le prix, on va le mettre, comme on a dit tout à l'heure, à 2,94€. Voilà, donc à 2,94€. Voilà, après, donc si on a envie d'avoir la livraison gratuite à partir de 50€, comme j'ai mis sur le site. Moi, ce que je vais faire déjà, c'est que je vais ajouter des conditions, en fait. Donc là, vous avez vu, là, je suis allé là, modifier un tarif, ajouter des conditions. Et donc là, on va faire en fonction du prix de la commande. Prix minimum, on va laisser à 0€ et prix maximum, on va mettre à 49,99€. Maintenant, on va faire ajouter un tarif et là, on va faire, on va écrire par exemple, félicitations, vous obtenez la livraison offerte. Voilà, donc ça, c'est juste pour récompenser les personnes qui ont dépensé plus de 50€ sur notre site. Donc voilà. Donc voilà, le prix il est à 0€, on laisse gratuit, voilà. En fonction, pareil, donc les conditions en fonction du prix de la commande. Donc là, le prix minimum, c'est 50€ et il n'y a aucun prix maximum. Donc voilà, livraison standard à 2,94€. Là, vous pouvez mettre le prix que vous voulez, 3,90€. Je vous conseillerais quand même de rester en dessous de 5€ et même un peu moins pour pas que ça affecte votre taux de conversion. Mais voilà, 2,94€, entre 0 et 50€, la condition. Et après, au-delà de 50€, on passe sur une livraison gratuite offerte. Donc voilà, vous faites enregistrer et c'est tout. C'est super simple à configurer, mais c'est une étape à surtout pas oublier, car si vous oubliez cette étape, comme je vous ai dit, les gens ne pourront pas check out sur votre site, du coup ça pose problème. Pareil, là on a une petite annonce qui dit que Monaco, c'est pas dans nos marchés. Donc là, on va aller dans marché. Donc ça, c'est notre partie de Shopify. Ça, c'est assez nouveau. Ils ont rajouté quelque chose qui s'appelle marché. En général, je vous conseillerais quand même de pas trop vous soucier de ça. Il faut juste que vous puissiez en fait livrer vos produits dans les pays que vous avez envie. Voilà, c'est pas super important d'avoir un marché. Ce qui est important, c'est juste que tous les pays dans lesquels vous vendez, ils soient actifs. Donc par exemple, là, international, on va juste le rendre actif. Comme ça, on n'aura pas de pays, par exemple comme Monaco, qui seront pas pris en compte. Là, on va cliquer sur modifier. Voilà. Donc voilà, le problème, en fait, c'est, par exemple, là, tous les pays, en fait, vu que c'est pas actif, les personnes dans ces pays-là, ils ne pourront pas payer. Donc c'est pour ça que c'est indispensable d'activer ça. Donc nous, on va aller juste dans modifier. Et en fait, on va aller retirer tous les pays qu'on n'a pas mis dans la liste des délivraisons du checkout. Donc là, il y a juste le Canada et Monaco, il me semble. Donc voilà, voilà, je laisse Canada, Monaco. Ah, il y avait la Suisse aussi. Donc voilà, on va remettre la Suisse. Et maintenant, on peut activer. Parce qu'en fait, on ne pouvait pas activer avant, justement parce qu'on n'avait pas, on avait plein de pays qui justement n'étaient pas desservis. Donc voilà, on appuie sur activer et maintenant, il y a tout qui va marcher. Donc ça, c'est une étape super importante. Faites vraiment attention à ce que toutes les personnes des pays dans lesquels vous voulez vendre, en fait, toutes les personnes puissent déjà payer, donc grâce à cette page-là, donc marché, et puissent aussi se faire livrer, donc grâce à la page expédition et livraison. C'est assez facile à gérer, faut juste pas oublier, en fait, c'est ça le truc. Donc maintenant qu'on a ajouté les options de livraison, maintenant il y a tout qui est fonctionnel sur le site, maintenant il nous reste plus qu'à acheter un nom de domaine pour notre marque. Donc là, vous allez dans paramètres et vous allez trouver le menu domaine. Donc là, vous allez dans domaine. Et là, en fait, vous pouvez directement acheter un nouveau nom de domaine juste en l'écrivant là et vérifiant s'il est disponible. Donc moi, ce que je fais personnellement, c'est que moi, j'achète tous mes noms de domaine sur Namecheap. Moi, je préfère juste utiliser ce site. J'ai toujours utilisé tous mes noms de domaine sans sur ce site-là. Donc moi, j'utilise juste Namecheap et je vais vous montrer comment ça marche du coup avec cette plateforme. De toute façon, si vous ajoutez directement avec Shopify, ça va vous coûter peut-être 14€. Donc c'est pas super cher et ça devrait se connecter automatiquement très très facilement. Si vous voulez utiliser une plateforme tierce comme Namecheap, je vais vous montrer comment faire. Donc par exemple, moi je vais appeler mon shop woodyeco.com. Voilà. Je vous conseillerais toujours de prendre un .com. Vous pouvez prendre aussi un .fr par exemple ou .co ou ce que vous voulez. .com, ça fait professionnel. .fr, c'est encore mieux, mais .fr, il vous demande des informations supplémentaires des fois. Donc voilà, si vous voulez pas prendre la tête, .com, ça marche très bien, c'est très professionnel, c'est vraiment le truc par défaut. Donc voilà, ajouter au panier, 10$. Donc maintenant, imaginons que je viens d'acheter le nom de domaine. Donc maintenant, pour l'ajouter, il faudrait juste que j'aille dans connecter un domaine existant. Là, je rentre le nom de domaine, par exemple woodyeco.com. Là, ça va détecter automatiquement
chez quelle plateforme vous avez acheté le nom de domaine. Et après, ça va vous donner les instructions pour le connecter. Voilà, encore une fois, c'est quelque chose de très simple. Il n'y a pas grand-chose à faire. C'est très facile. Voilà, il y a deux clics à faire sur l'autre plateforme. Normalement, Shopify, vous pouvez déjà le présélectionner. Et voilà, vous le connectez directement. Si pour vous, ça semble compliqué de le connecter, achetez votre nom de domaine directement sur Shopify. C'est vraiment ce qu'il y a de plus simple. Voilà, donc vous cliquez sur acheter un nom de domaine. Ensuite, ils vont vous rediriger directement sur la facturation. Normalement, vous avez déjà rentré votre carte directement sur Shopify. Donc voilà, il n'y a vraiment aucun problème. Donc une fois qu'on a fait tout ça, on a connecté le nom de domaine. On a vraiment là, le site, il est 100% fonctionnel. Maintenant, ce qui reste à faire, en fait, c'est de retirer le mot de passe. Parce que tant que vous n'avez pas choisi un forfait sur Shopify, en fait, il y a un mot de passe sur votre site. Donc là, ce que vous allez faire, c'est d'aller donc choisir un forfait. Voilà, vous cliquez dessus. Vous choisissez un forfait Shopify. Moi, je vous conseillerais celui à 27€ par mois. Surtout pour commencer, c'est largement suffisant. De toute façon, là, avec le lien que je vous mets dans la description, vous avez 1€ pendant les 3 premiers mois. Donc voilà, vous choisissez l'option basique. Vous rentrez vos informations, vos coordonnées bancaires. Vous pouvez mettre annuel ou mensuel, dépendant de ce que vous voulez. Voilà. Confirmez votre cycle de facturation, vous rentrez toutes vos informations bien sûr, et après vous payez. Donc voilà, ça c'est très très simple. Et ensuite vous retournez dans boutique en ligne, une fois que vous avez payé. Et tout ce que vous avez à faire, c'est de cliquer sur gérer le mot de passe. Et ensuite ça va vous emmener là. Et dès que vous avez payé en fait, vous pouvez juste cliquer là, décocher cette case. Et en fait voilà, il n'y aura plus de mot de passe. Le nom de domaine sera connecté. Il faudra juste faire attention bien à ce que le nom de domaine soit le domaine principal. Mais normalement, ça se fait automatiquement. Et voilà, vous avez votre nouveau site Shopify qui est prêt à recevoir du trafic. Et voilà, votre site, il est 100% fini. Et vous pouvez enfin commencer à lancer des pubs. Donc, dans le prochain épisode, dans la prochaine partie de la formation, on va voir comment lancer des Facebook Ads. Donc vraiment, abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné et si vous voulez pas rater ça, parce que vraiment ça c'est la formation complète de dropshipping en 2023. Vraiment, ce sera la formation la plus complète que vous allez pouvoir trouver sur YouTube. Donc vraiment, activez la cloche des notifications. Et si vous n'avez pas vu la première partie de la formation, je vous invite vraiment à aller la voir juste ici. Donc voilà, comment faire de la recherche produit pour le dropshipping. Et si vous avez déjà vu cette vidéo, je vous invite à aller voir la face cachée du dropshipping juste ici. Maintenant, c'est le moment de passer à l'action. Lance ta boutique, suis toutes les étapes que je t'ai données. Oublie pas de télécharger la checklist dans la description. Et moi, je te capte la semaine prochaine. Ciao.